Oh, non! Moi, il ne peut pas comprendre qu'actuellement, dans le 21e siècle, un garçon va faire ça là encore. Mais, champion, tu as vu? Toutes les filles, tu as vu comment elles sont aujourd'hui? Elles sont brunes, elles sont en train de t'appuyer. Tu vois qui te soutient actuellement? Personne. Vous voyez les filles là? Au lieu de taper sur la fille là, mais les filles là sortent contre toi. Mais si c'était le truc inverse, c'était un homme qui était avec une fille qui avait beaucoup d'argent. Elle a vendu une meuble pour soutenir le jeune là. Aujourd'hui, Facebook allait prendre feu. Le monde entier allait remuer. Le monde entier allait secouer. Elles allaient remuer ciel et terre pour que tout le monde entier entende ça. Si femme, même femme te donne 2 euros en Europe ici et puis tu t'es séparé d'elle là. Tout le monde entier bouge. À plus forte raison, femme allait vendre immeuble pour aider garçons et puis se sont séparés, mais on était morts. J'ai dit qu'on était foutu. Aujourd'hui, la toile allait brûler. Les lives en ont point fini. Mais malgré que c'est un homme qui s'est arrivé là, elles sortent toujours, elles font vidéo pour t'insulter, champion. Ça t'apprendra. Elle, c'est l'épouse, son business au Nigeria, c'est femme qui a brûlé. Mais il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Mais on peut aider femme. Si aider femme, là, on dit c'est un problème. Mais on ne peut pas aider femme. Il faut aider à ta tête. Dans la vie, même, tout est tête. Tout est une question de tête. Même dans son truc, il a dit que lui, il a eu à chasser ses amis de la maison à cause de Moussoula. Dorcas, très jaloux. Il a été attaché à... Mais non, laissez-moi parler à lui. Moi, c'est le comportement-là qu'il est en train de décrire. Tu vois, lui-même n'est pas mon problème. Hein. Mais moi, ce que je suis en train de lui dire, dans sa vidéo même là, tu sens que c'est quelqu'un qui est en train de chercher les frères sans pour venir l'aider un peu dans le palabre. Personne ne va venir t'aider dans le palabre, ça. Personne ne va t'aider, champion. Tu vas pleurer seul, on va pas te soutenir. Non! Si vous me connaissez, moi je peux venir et donner le vrai nom des mousseaux d'abord qu'ils ont sorti là, le don, le nom, le vrai nom de toutes les mousseaux. Mais il n'est pas prêt. Il n'est plus pas prêt. Tu es en train de pleurer, personne ne va te soutenir. C'est ce que tu as fait là, Gawaya. Ah, Maria, ça commence à saler depuis ta position. De l'amour, entier encore. Elle est là. Ta petite ça a pleuré dans ta main là-bas, du quand grand frère Baron, vous me donnez un petit 25 millions. Ou bien grand frère Baron, vos sciences, elle n'a pas demandé 25 millions. Ta petite c'est même à demander peut-être 2-3 millions. Ah, déjà, maman, t'as parlé dans ton nez. Ton petit frère a parlé, t'as parlé dans ton nez. Petit gars, elle vient te faire couler, immeuble, t'as chassé tes frères sans de maison à cause de mousseau là. Champion, t'as pas venu pleurer ici pour nous donner. Non, c'est impossible. Tu peux pas venir pleurer ici pour nous donner. Il faut laisser go là. Elle a pris, elle a développé, elle a pris, toi, elle a développé, c'est moi. Elle t'a jeté, champion. Elle t'a jeté. Toi, tu as une fois vu. Là, où nous sommes rentrés depuis un moment aujourd'hui, voici peut-être 2 décennies. Toi, tu as une fois vu une femme qui est amoureuse de quelqu'un qui n'a pas l'air. Est-ce que où nous sommes aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui a une fois vu une femme qui aime quelqu'un qui n'a pas l'air? C'est-à-dire qu'on dit tu as l'argent et puis une femme n'est pas amoureuse de toi, ça n'existe plus. Mon petit Raj, sois salé depuis ta position, Yaouré, j'espère que tu vas bien, mon fils. Antje Godo, Antje, depuis le terminus Karanjo Bougon, t'es fort, mon fils. Raj, mignon garçon, t'es fort, petit. T'es fort depuis ta minute 42, tout le monde te connaît là-bas. T'es le champion. Hey, Babache, Anche, encore joli garçon. Allez là, où nous sommes là? Il y a quelqu'un qui a dit que lui, il a l'air, et puis il n'y a pas quelqu'un qui est amoureux de lui. Ça n'existe pas. Et puis toi, tu as ton Dieu, si toi, tu es encore tête, tu es fatigué. C'est quelle chose, c'est quelle fatigue tu es dedans? Toi, tu ne peux pas copier comme les Drogba, les Yaya Touré. Tu ne peux pas copier comme Jire Eto'o. Tu peux pas copier, tu peux pas copier si les choses là. Eric Bailly, nos filles là se plaignent que quand nos garçons là deviennent stars, que quand nos champions là deviennent stars, ils vont prendre Moussa et bien faire mouvement. Vous pensez que nos stars là, ils sont gawa? Vous pensez que nos stars là, elles ont beau pour aller là, et vont aller prendre influenceuses, les soi-disant influenceuses d'Afrique, de Côte d'Ivoire. Et vous pensez, quand quelqu'un a l'argent là, lui cherche à cultiver son air, lui cherche à rendre beaucoup son air, il va pas prendre une femme, qui, les filles qui passent leur temps, dans les magasins, en train d'acheter chaque messe, en train d'enfler tête de nos soeurs, elles sont dans les magasins, en train de faire shopping. Ça, c'est quoi influencer ça là? Vous pensez que les drogues là, ils sont fous? Vous pensez que nos footballeurs là, ils sont malades pour aller vous prendre pour les mettre dans les foyers? Vous pensez qu'ils sont malades? Ils sont pas fous, hein? Ils ont bravo pour avoir les jets, ils cherchent. Ah bon? Vous vous plaignez? Moi, je vois les filles qui se plaignent. Drogba était avec là, allez demander. Elle a lancé depuis sa famille à Dieu. Il a pris ce qu'elle a laissé là. Les mecs qu'il allait prendre. Allez vous renseigner si la dame que Drogba actuellement. Vous pensez qu'il est gawa? Sinon, il voit ses filles là. Des influenceuses d'Afrique, soi-disant. Il les voit et ils vont faire quoi ici là? Vous voyez les Drogba, les morons, allez prendre ces filles là. Vous les amenez où? Les filles qui n'ont pas été fait grimper, ont été fait descendre là. Ils vont faire quoi? Donne
personne n'est gawa actuellement. Eric Bailly, lui, il a pris sa mousseau d'abobo parce que lui, Eric Bailly, là, quand lui prenait les cas et puis il partait sur le terrain, allait jouer au football, là, la petite fille a gréé au quartier, c'était son mousseau. Quand ça a pété, elle est venue prendre la petite fille, elle est partie, elle. La Marigo, ça a pris son mousseau jazz. Parce que les filles aujourd'hui, elles disent que voici le slogan des filles et puis ça me fait rigoler. On galère pas, garçon, parce qu'aujourd'hui, garçon, quand il galère, lui, demain, il te laisse. Hey, vous rentrez dans une logique inutile. Mais quand même, les filles même disent, Diane Mamadou, c'est comme mon petit frère, j'espère que tu vas bien, tiens encore, sois salé depuis ta position, petit. Tiens, 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 tiens. Quand toi-même, tu t'assois et puis tu dis qu'il est galéré avec lui, là. Toi-même, tu avais pensé au moins. Lui, il était dans la galère, toi aussi, tu étais dans la galère. Tu fais comme si toi, tu avais quelle position. Mais toi, tu n'es pas l'homme. Toi, tu ne peux pas être enfant et puis quelqu'un va galérer. Donc, vous étiez dans la même galère. Alors, il s'est battu pour s'en sortir. Vous êtes des comédiennes. Hein? Une relation, ça peut être, et puis ça peut se défaire demain. Parce qu'on a vu des gens qui ont galéré des mousseaux qui les ont mariés. Tu peux galérer un mousseau, puis demain, tu la jettes. Avec quoi? Vous, les filles ici, là. Les gens ont galéré, vous. Après, demain, vous êtes partis. Les filles sont parties avec d'autres morts. Ali, quand il t'assoit salé depuis ta position, mon fils. Depuis Abobo. Anche, toujours, élément. Anche, godogodou. Depuis la création de ce monde, les filles, tu avais qu'à du galère, elles vont être d'autres morts. Elles vont être les patrons des gens. Elles vont être les amis des gens. Elles vont ailleurs. Le monde ne tourne pas. Le monde, on s'en fout. Les gens ont toujours galéré les mousseaux ici depuis la création de ce monde. Mais aujourd'hui, les filles, elles ont ce slogan-là. Elles disaient galérer plus avec quelqu'un. Ok. Vous galérez plus avec quelqu'un, il n'y a pas de souci. Mais ne vous attendez pas là. Et puis chercher homme riche. Homme riche n'est pas bête, lui, cherche pas femme des pauvres. Un homme riche cherche à rendre son ayant beaucoup. Il ne va pas aller prendre les soi-disant influenceuses de shopping là. Non, jamais de la vie. C'est raison, toi, Kafumba, au lieu de regarder tes frères, au lieu de regarder tes dépensiers, même Eto. Georgette, là, vous pensez que c'est petit mousseau. Georgette, là, c'est moumou, c'est salon de coiffure, c'est mouman. Eto est en train de bro. Il est devenu l'homme aujourd'hui, il a son mousseau. Les gens ne sont pas gawa. Toi, Kafumba, t'as fait gawaya. Il t'a fait gawaya. Tiens. Il t'a... Hey, Kafumba, en pas te soutenir, champion. Tu viens pas aux réunions. Tu viens pas aux réunions, c'est gawaya qui a fait même. Et puis souvent même, femme même qui a fait quelque chose, et toi souvent quand tu viens, tu connais. Yo, on est au 21e siècle, on n'est pas en 1932, champion. Les dons ont changé. Tiens. Vous-même, même les filles qui me regardent là, est-ce que elles-mêmes savent? Est-ce que si tu as l'argent, il y a une femme qui n'est pas amoureuse de toi? Ça n'existe pas. Donc maintenant, quand tu as n'importe l'homme le plus futé, si tu as envie de voir Mousseau, même je vous dis, peu importe la nature de la relation que tu as avec les gens, quand tu as l'argent, tu ne sais plus qui t'aime, qui ne t'aime pas. Ami, garçon, je vous dis que non, que la relation soit fraternelle, que ça soit amical, que ça soit amoureux. Quand tu as Dieu là, tu ne sais plus qui t'aime ou qui ne t'aime pas. Y'a pas, je vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. C'est quand tu es coulé, quand tu es dans la situation où tu es quand c'est dur, les gens autour de toi qui sont là, jusqu'à ce que tu mailles là, ce sont eux là, les vraies personnes. Sinon, vous avez une fois vu quelqu'un qui a l'air, qui a un manque d'amour. Amour même, j'ai dit amical, j'ai dit fraternel, j'ai dit amoureuse. Vous avez une fois vu quelqu'un qui manque ça. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi quand tu as ton Dieu là, tu es l'homme le plus souffrant. Parce que tout ce que tu fais est bien, tu es vilain, on dit tu es beau. Tu ne sais pas t'exprimer, on dit tu t'exprimes trop bien. Tu ne sais pas t'habiller, on dit non, tu es élégant. Tu ne sais pas truc, on dit tu es galant. Tout ce que tu fais est bien. Toi-même, tu ne sais même plus qui tu es. Tout ce que tu fais est bien. Parce que tu as l'argent, on ne te maîtrise plus. C'est dans ça là, actuellement là, où tu es dans la situation, un peu tout, tu es seul, tu mires. Il n'y a personne autour. Hein. Les filles, tu parles, elles courent. Tu parles, elle pose faire toi, parce qu'elle dit, n'a pas mougou mougou. C'est dans ça, là, toi, t'as tout ton lait, si toi, t'as ta venue tomber, si une go blessé. Hey, y'a la cousin, hey, y'a la. Pas une femme, même quand elle a l'argent. Parce que, moi, je comprends. Nous sommes rentrés dans un monde, on va faire ça au coup pour coup. Quand femme a l'argent, là, même femme, j'ai dit, elle a eu concours de CAFOP, c'est fini. Femme a eu concours de CAFOP, c'est fini. Elle, on la drague plus, il n'y a plus garçon au quartier qui a la dragué, ou bien jeune qui se cherche à la zone qui a la dragué. Elle est simple maîtresse à l'école. Hein. Elle est maîtresse à l'école. Hein. Elle, là, c'est pointée, ça raconte ministre, député, professeur de l'université. Elle, c'est fini. Voilà, ça, c'est la nature des femmes. Femme, elle est maîtresse, elle a lacré en classe. C'est fini, elle, c'est fini. Elle marche comme ça maintenant. C'est ceux-là. C'est ceux-là. Les garçons, tu as ton agent. Faut chercher une femme qui a gay. Bon gay, qui a tête. Laissez la voix blessée, on se démédie en elle. C'est bon maintenant quoi. Femme à l'argent, vous connaissez femme qui a l'argent?
Femme qui a rien, toi, non. Donc c'est comme ça aussi les garçons. Vous avez vos gels à traîner les moussons qui ont gel. Laissez-les vous blesser. On a rentré résolument dans ce monde-là. Et puis les hommes ont compris. Mais je vous explique. Je n'apprends rien aux hommes. Je vais vous expliquer. Peut-être que vous les filles, vous ne comprenez pas. C'est que je vais vous expliquer là. C'est que les hommes ont déjà compris ce que j'ai dit. Voilà pourquoi les mougous pensent trop. Et puis ça ne va pas finir. Mais bien sûr, Déborah, ça, je t'explique tranquille. Je vais vous expliquer. Les mougous pensent, ça ne va jamais finir. Simplement parce que les hommes ont fini par comprendre. Regardez les femmes aujourd'hui, elles ne jurent que par l'argent. Nos filles d'aujourd'hui là ne jurent que par l'argent. Même elles le disent. Que garçon. Et puis après, vous vous plaignez que les hommes ne savent plus draguer. Mais les hommes n'en ont rien à foutre de draguer femmes aujourd'hui. Tu as ton argent, ça te suffit largement pour que tu aies une femme aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je me tue à draguer une femme? De faire de belles paroles, de te faire des compliments. Les gens n'en ont rien à foutre aujourd'hui, rien à cirer. J'ai mon argent. Vous ne jurez que par l'argent. Vous dites qu'aujourd'hui, là, c'est quand tu n'as rien que tu parles beaucoup. Mais garçon qui a l'argent ne parle pas beaucoup. Qu'est-ce que cela sous-entend? Vous dites, vous-même, vous les femmes, que c'est quand nous, là, nous qui n'avons rien, nous on parle beaucoup, on drague. Mais ceux qui ont l'argent, ils agissent. Mais bien évidemment, ok, ils ont l'argent, ils agissent. Ils vous impostent, ils vous damassent, ils vous amèneront nulle part. Ils sont pas bêtes. Garçon, sait que lui, là, mougou, c'est parce qu'il t'envie, il est plus dans les vrais restos. Il te donne mougou pour payer maison. Il sait que quand il dit ma maman, chaque jour, ma maman, là, il te donne mougou. Il sait que ça coûte ça, t'es noro. Quand il va te damasser, il va t'amener nulle part. Comment vous dites ça? Vous êtes en amusement. Restez là. C'est dans ça là, toi, Kafumba. T'as eu ce qui nous a t'as venu faire live. Et puis t'as pensé que nous on a sorti. Et puis on a attaqué la fille. La fille, on ne peut pas l'attaquer. Si moi, je vois un garçon même qui fait live ici, je dis tiens, plantain. Laissez Kafumba quoi. Laissez-le. Live de Morola. Gohou là. Live. L'autre live là, il fait ça demain. Il ne peut pas faire les deux sujets en même temps. Il y a resté ici, Morola, et puis il est coupé. Yannick Tchentchen là, demain là, ici à lui. C'est quoi? Toi, tu vois pas ce monde là? Toi, tu vois pas ce monde où nous sommes aujourd'hui là? Va connaître les moussons. Est-ce qu'il y a une femme qui est amoureuse aujourd'hui de quelqu'un qui se cherche? Parce que moi, l'argument, moi, les excuses des filles là, ça me cale pas. Moi, c'est trop facile de dire que lui, quand il galère avec lui, demain il va partir. Tu connais pas la vie? On s'en fout! Mais et les hommes qui, depuis la création de ce monde, galèrent, ils ont les mougous et puis ils prennent les filles pauvres et puis ils les mettent chez eux. Pourquoi depuis la création de ce monde, les hommes prennent toujours les filles blessées et puis ils sont toujours avec elles? Est-ce que le monde tourne? Et puis après ces filles-là s'en vont. Est-ce que le monde tourne? Qui est dans cette logique inutile-là? Vous n'avez jamais vu des gens qui ont galéré des femmes qui les ont. Moi, je vous donne 1000 exemples, je peux vous donner 1000 exemples. Alors, et puis les exemples sont là. C'est pas parce que tu as galéré avec quelqu'un, après tu as avoir une vie bizarre, tu as foutu la merde et puis on te garder. Pourquoi? Et puis après, l'amour peut ne plus exister. Et puis voici une petite parenthèse. Souvent, les femmes, elles pleurent beaucoup. Vous savez, les femmes, c'est des éternelles victimes partout. La victimisation, c'est-à-dire un visage aujourd'hui, c'est les femmes. Pas toutes les femmes, bien sûr. Mais il n'y a pas ma soeur en train de dire pas toutes les femmes. Pas toutes les femmes, bien sûr. Mais je dis, la victimisation aujourd'hui, hein, non, c'est les femmes. Parce que, regardez beaucoup. Elles aiment bien dire que lui-là, il m'a manipulé. Mais je vous explique pourquoi elle dit qu'un tel m'a manipulé. Mais si vous m'écoutez bien, désormais, vous allez enlever ça beaucoup dans vos langages. Parce que la manipulation existe, mais il y a beaucoup de choses qui vous arrivent, c'est pas de la manipulation. Parce que tu croises une fille et puis tu lui dis que tu me plais, je t'aime bien, tu lui dis tout ça. Mais elle, dans sa tête, parce que tu as dit que, moi, il t'a dit que tu me plais, donc ça veut dire que tu, un mois, un an après, tu dois toujours me plaire. Tu peux ne plus me plaire. Je peux ne plus être amoureux à cause de pas mal de choses. C'est pareil pour les hommes. Une fille peut t'aimer. Et puis, en 6 mois, et puis, elle t'aime plus, c'est pas de la manipulation. Aïe. Mais c'est ça là qui fait qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent dans leur foyer. Elles sont accrochées à des messieurs, à des jeunes, elles ne peuvent pas partir. Parce qu'elle a eu à un moment donné de sa vie, elle a rendu service à ce jeune-là. Donc, le monsieur ou le jeune est dans le foyer, il est là par reconnaissance, il ne veut pas partir parce qu'elle va faire pitié. Vous savez qu'il y a beaucoup de souffrances comme ça, non? Ça là, c'est bon, ça là, c'est intéressant, ça. Il y a beaucoup de souffrances comme ça aujourd'hui dans les couples, il y a beaucoup de couples comme ça. Ils sont dans la souffrance. Ils sont dans la souffrance. La femme, elle est là, elle est accrochée. Parce qu'elle est accrochée au monsieur, elle ne veut pas le laisser partir. Parce que simplement, elle a eu à rendre service au monsieur, elle a eu à faire 2-3 trucs, elle est accrochée. Lui aussi, il ne veut pas partir parce qu'il ne veut pas, qu'on dise que tant. Il a pitié et puis ils sont là. Les gens sont en train de se pourrir la vie. Il y a les relations qui existent. Dès qu'il force un peu, il s'en va. Non, il m'a manipulé. Il a fait ça pour lui. Il a fait tant pour lui. C'est quoi?
Ma chérie, on peut t'aimer aujourd'hui, demain tu ne plais plus à quelqu'un. C'est quoi? Est-ce que toi, la vie de quelqu'un dépend de... Quand les gens s'en vont, non, il m'a manipulé. Personne ne t'a manipulé. Arrêtez un peu. Vous fatiguez les gens. C'est dans ça, là, toi, Kafumba. Marie-Laure Anne, ou bien. C'est dans ça, là, toi, Kafumba. Toi, tu as venu avec ton air de retraite. Toi, tu as eu problème de genoux. Toi, tu as eu problème de pieds. Tu n'avais pas pris retraite, tu as pris retraite anticipée à cause de parce que tu as eu un rembat. Tu viens avec ton jet, et puis toi, tu croises la fille là, et puis tu viens en ce moment-là. Il y a beaucoup d'argent, 6 mois. À tuto. Tu as fait 2 enfants à Eka. Là, l'immeuble est construit. Immeuble des enfants là. Tu as fait. Aujourd'hui, le mousseau t'a fait ça. Où il est là, actuellement là? C'est gâté. Hein? Si vous voyez qu'il sort, c'est pas c'est gâté. Edwige. La vie est beau, soit salée depuis ta position, ma. Anche ayo ganya. Ayo ma. Echo. Non. Non. Moi, je suis en train d'expliquer un moment. Moi, je suis en train de vous... Non, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, les filles, là. Prenez. Si vous regardez, la manière dont je suis en train de vous parler, vous n'allez rien comprendre. Écoutez, entre ce que je suis en train de vous dire, c'est comme les lignes. Regardez, ils sont... En même temps, ça vous aide. Moi, je suis en train de vous dire. Vous voyez les hommes aujourd'hui, là. Aujourd'hui, les femmes parlent de non. Elles ont dit, mes filles, Mougoupa. Mais les Mougoupa, ça va jamais... Hey, je vous dis, plus les années avancent, plus les Mougoupa seront trop. Oui. Parce qu'on a quoi l'impression que dans ce monde où nous sommes aujourd'hui là, les femmes dans leur tête, elles pensent qu'elles aiment l'argent que les hommes. Non, vous n'aimez pas trop. Qui vous a dit que vous aimez trop l'argent? Mais vous aimez l'argent de petit truc, l'argent. Regardez en période de fête comme ça, l'argent de fête. C'est ridicule. C'est ridicule, ça fait honte même. Comme c'est de la mendicité. Bon, l'argent de fête. Pendant qu'il y a des femmes qui ont déjà accompli, elles sont assises tranquillement. Elles ne peuvent pas sortir de la bouche. Elles font les choses bien de façon réciproque. Et même là, elle s'apprête aussi à faire du bien autour d'elle. Elle s'apprête à faire du bien au truc. Pendant qu'il y en a encore là, des vieilles femmes qui sont toujours comme des petites filles, rien de fait. Attends, emmerdez le monde. Le monde évolue, le monde avance, vous n'avancez pas. C'est vous seulement, c'est-à-dire que vous aimez trop l'air, vous aimez trop la vie. C'est-à-dire que dans la tête des femmes, les hommes ne sont pas eux, ils sont pas eux, ils n'ont pas le droit d'être dans des situations compliquées, difficiles. Non, nous on n'a pas le droit d'être dans une situation difficile. Nous on doit être toujours top, liquide. Non, c'est faux. C'est faux. Est-ce que vous connaissez combien de fois l'homme souffre? Vous connaissez combien de fois l'homme souffre? On célèbre beaucoup la femme, on parle beaucoup. Hein? Mais est-ce que vous connaissez la souffrance de l'homme? Est-ce que vous savez comment l'homme même souffre? Vous connaissez pas? Vous êtes là, vous êtes assise là, actuellement vous êtes là, vous avez 3-4 numéros dans votre téléphone, garçons, 5 garçons. Vous les appelez, on fait les dépôts, on vous donne les petits mouvements. Nous là, si c'est gâté, nous on appelle qui? Vous, les femmes, on connaît. Vous avez les petits morons que vous entretenez, vous êtes là. Les morons qui vous décalent, les petits, les mamans, qui gâtent tout sur vous, là. Vous êtes couché là, les petits messages de trafic. Vous partez croire quelqu'un, vous mettez tout sur vous, vous touchez un peu la tête de quelqu'un, vous trafiquez, non, il vous donne un peu d'ailleurs. Vous venez chez vous. Nous, quand c'est gâté là, nous, on plaît. Nous, on sort, c'est gâté. Hein, elle n'est pas la même chose. Vous parlez d'argent. L'argent. Et puis après, vous plaignez que non, les hommes d'aujourd'hui, ils aiment la facilité. Les hommes d'aujourd'hui, tu manges son poulet, allons, on s'est reposé. C'est parce qu'ils savent qu'il est là. C'est parce que, c'est en fonction de ce que tu montres là, qu'on fait les mouvements avec toi. En fonction de ce que tu montres que les gens font les trucs avec toi. Là, Antoinette, ton maudit. Il fait combien de minutes même? Tiens! Le monde, on est rentré dedans aujourd'hui là. Le monde, on est dedans aujourd'hui là. Mais champion, toi, tu seras un cas d'école. Tout garçon qui espérait, le cas Kafumba là, Koulibaly là, ça sera un joli cas d'école encore. Les gens vont regarder ça et puis vont prendre position. Les gens vont regarder ça et puis vont prendre position. Zemadou, c'est comment? No pain, no gain. Non, Deborah, ça, c'est toi. Les gens vont regarder ça, les jeunes, et puis ils vont prendre ça, ils vont prendre note. Là, tu es venu t'ajouter encore la liste des morts qui ont pleuré hier à cause de ça. Là. Toi, tu ne regardes pas les histoires, toi, tu ne vois pas les moments. Toi, tu n'as pas regardé les dimensions, il y a des gens qui ont pleuré, quoi. Toi, tu as l'air si toi, tu rentres au pays au lieu de réfléchir. Tu as bien calé tes mouvements. Toi. Hey, toi-même, tu vas bien faire un garçon. Là. Quand tu la regardes, même sa façon de marcher, ta façon de te parler, tu sais que celle-là, c'est pas un bois. Tu sais que celle-là, c'est un faux bois.
Zoku, nous ne sommes jamais aimés Poutine, c'est impeccable. Il n'y a pas besoin de saluer depuis ta position. Tiens, c'est que tu es un garçon, tu es né quand? Tiens! Après, tu as venu pleurer ici, qui va te soutenir? Personne ne va te soutenir ici, champion. En laissant les filles là, mais on te bat beaucoup même. Moussa Bamba, n'arrêtez pas les moments. Tiens, allez là. Allez là. Le monde qui est aussi dur, qui a de la famille, qui a boni derrière toi, il y a un moment. Tu n'as même pas encore fini d'aider là-bas. Une périphie d'Abidjan ici, une périphie. Elle vient te crier, non seulement c'est elle qui te bro-bro. Elle vient te bro-bro. Mais parce qu'elle sait, t'es pas Gawa. Lui-même, il a dit. Lui-même, eh non, Kafumba, eh vraiment. Il dit. Mais parce qu'elle m'a vu comment j'étais, elle, Mané Keita, elle, ses enfants. Il, elle sait que moi, je me donne qu'elle s'y apprend dans tout. Voilà pourquoi elle est venue m'écrire. Eh! Avec tout ça là. Gola a réussi à te faire vendre l'immeuble. Mais. Non, mais. Eh hey, non, eh hey, Allah, eh hey, hey, Seigneur Dieu, pourquoi même? Pourquoi même? Ce monde d'aujourd'hui là. Non, Noberogen, non, il ne peut pas comprendre ça même. Les filles, moi, il ne peut pas comprendre. Non. Est-ce que les gens connaissent Moussou? Parce que moi, il passe sur le principe que les femmes elles-mêmes, elles le disent. Qu'aujourd'hui, un homme, tu n'as pas l'argent. Faut pas être amoureux. Elles le disent et puis elles le cachent pas. Les femmes le disent aujourd'hui sur tous les panels, sur tous les plateaux. Elles le disent. Même on voit les influenceuses qui disent ça. On voit les émissions ici, les Ridal. Comment on appelle quelque chose Ridal, la fille là, qui est sur l'émission, je sais pas quoi là. Tout le temps en train de parler comme ça, elle parle que d'argent. Garçon n'a pas ça, garçon. Voici, c'est voici, les voici. Mais elles ont une vie. C'est-à-dire que vous savez même pas ce qu'elles vivent. Non, on peut vous dire ce que c'est là, elles vivent. Mais quand elles sont, quand il y a la caméra devant elles, c'est fini. Ce sont les femmes là, tu vois. Blablabla, tu vois, de gens là, oubliés. Donc c'est eux là, nos enfants, regarde, les petites filles là, regarde. Toi, une petite fille, toi, tu es là, tu n'as rien, tu as zéro, ça veut dire que toi, direct devant, famille, tout, tu voulais, hé, il n'y a rien. Toi, tu as ta soie là, toi, tu as parlé de Kenan, garçon qui n'a rien, il fait rien, lui. Ok. Ok. Garçon qui n'a rien, toi, tu fais rien, lui. Mais qui t'a dit que garçon qui a quelque chose à faire quelque chose avec toi? Mais c'est ça là qui va te couler, ma petite. Toi, toi, femme qui a discours ça là. Mais aujourd'hui, ces filles là, qui ont ce discours là il y a longtemps, là, non seulement elles n'ont qu'une situation hein, en matière de elles ne sont pas mariées, elles ne sont pas fiancées, elles sont là. Faut demander. C'est eux là, quand tu es avec elles, c'est eux là qui disent que non, il y a un truc qui les énerve dans leur vie là. Quand garçon lui demande, tu as eu combien d'ex. La question ne devrait pas être gênante. Pourquoi ça vous gêne? Sinon, c'est une question comme une autre. En cause, tu aimes manger quoi? Ton loisir, c'est quoi? Pourquoi le fait de dire aux femmes que tu as eu combien d'êtres à vous fatiguer? Ça ne devrait pas vous fatiguer, c'est une question. Ne venez pas me raconter quelque chose ici. C'est une question comme une autre. Qu'est-ce que tu aimes manger, ton plat préféré? Ça là, c'est ça aussi. Vous savez pourquoi ça vous gêne? Parce que c'est ça. Voilà. Donc ça correspond ça là. On dit des comportements tranquilles. Parce que de toute façon, tu aimes l'argent, tu dis là. Les gens qui ont l'argent vont prendre leur argent pour te damer et puis ils ne vont pas t'amener quelque part. Parce que quand vous êtes en train de dire que non, vous ne faites rien à un garçon qui n'a rien, c'est comme ça les garçons aussi le disent. Mais en même temps, ce qui est bien chez nous les garçons, ils vont quand même te damer. Et puis ils vont te jeter. Et puis le garçon lui, c'est quel bois il va prendre. C'est la différence entre vous et nous. Donc c'est comme ça aussi, les morts vont vous damer. Vont vous damer. Ils vont vous damer. Parce que qui vous appelle homme riche même? Les jeunes vous croisez, et puis qui arrivent à vous amener dans, pour aller acheter ça, Gucci. C'est eux là, c'est ceux là vous appelez garçon à l'argent. Déborah, ça, c'est faux. Moi, mon direct fait 40-45 minutes, je suis à 35 minutes. Je ne vais pas jamais trafiquer ici. Mon direct n'a jamais duré. Vous comprenez? C'est qui vous appelez garçon qui a l'air? Garçon, moi-même là, hier, je venais à mes lives là. Mais là où il y a pile de mouchons là même. Hier, je viens à mes lives. Il y a trop mis ta mort. Donc les nouvelles là, qui sont sur ma page, qui ne me connaissent pas là. Elle se dit, ce sont mes sujets qu'ils ont là. Celles qui me connaissent il y a longtemps, depuis 2010, 2019, 2020 là. Ils savent. Fatiguer les gens. Fatiguer les gens. Et puis même là. Et puis même là. Garçon même qui a l'argent là. Toi une fille qui n'a rien là. Tu vas le voir où? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle homme qui est riche? Mais un homme qui est riche là, il ne traîne pas les rues. Garçon qui a l'argent là, il ne traîne pas les rues. Garçon qui a l'argent là, il ne traîne pas où toi tu traînes. Il ne va pas dans les épiceries africaines. Ils ne vont pas dans les petits maquis africains pour aller manger la cali, aller boire formule. Non, ils ne tournent pas à Saint-Denis, ils ne sont pas dans vos coins.
Les hommes riches sont dans les coins raffinés. Ils sont pas à Yopougon, ils sont pas à Bobo, ils traînent pas dans les coins. Coco dit, tout le monde habite là-bas. Non, ils sont dans les coins raffinés d'Abidjan. Faut traîner dans les coins là pour les avoir. Et puis maintenant même, parce qu'aujourd'hui là, il y a beaucoup de systèmes qui existent. Voilà, il y a des prostituées qui amènent ces filles là aux riches. Tout ça là, il va vous expliquer. Non, vous ne pensez pas que vous avez trouvé quelqu'un qui vous a donné 200 euros, 500 euros. C'est ça que vous appelez homme riche. Vous perdez du temps, assez du temps. Vous allez augmenter le nombre de personnes qui vont vous demander. Et puis vous êtes assis. Après, vous allez louer le dossier. Quand le garçon va te demander, tu as eu combien de dettes, ça va t'énerver. Ça va t'énerver pourquoi? Faut le dire. Vous voyez les filles là. Elles n'ont jamais dépassé 3-5. Elles sont là 8-5. Tout au plus 3D. Maudia. Vous avez trafiqué. Vous avez trafiqué qui? Vous avez trafiqué. Dites le nom très vrai. Et puis en voici, c'est bon. Pourtant, garçon, tu demandes, il dit, moi, il demande 555 000 mousseaux. Et puis, il est assis. Pourquoi vous voulez ça vous gêne? On vous dit de rester tranquille, de vivre votre vie tranquillement, vous êtes là. Et puis après, c'est vous qui vous plaignez des trucs. Vous aimez là, hein? Les garçons entendent tout ce que vous dites là. Ils entendent. Donc, ils se mettent en maillot, ils vous montrent ce que vous avez envie de voir, ils vous demandent, et puis ils vous gênent. Et puis, tu avances, tu apprends, non? Vous savez ce qu'on appelle garçon qui est là, hein? Vous amusez, hein? Ils sont à Paris ici, ils montent les liasses des biens, vous traînez, traînez autour d'eux là. Vous pensez que c'est là qu'on appelle quelqu'un là, hein? Restez là. Restez là. Alors, ma fouille là, vous connaissez rien. Les tontons inconscients qui sont habillés, qui sont toujours en costume, et puis ils ont pédé, ils ont voiture, ils ont clé de voiture comme ça là. C'est ceux-là vous appelez Léon là, hein? Vous pensez que Léon entend pour vous. Restez là. Restez là. Flèche d'amour. Non, moi je suis en train de... Non, moi je suis en train d'expliquer un moment. Mais est-ce que si ça, pourquoi si vous savez pas, pourquoi ça te concerne? Il y a des moussons ici, il y a des filles ici, là, des femmes ici là, qui m'écoutent. Elles se reconnaissent ni de près, ni de loin dans ce que je suis en train de dire. Elles sont à l'aise. Maintenant, si vous reconnaissez, non, je peux être d'accord que non, ça vous fatigue un peu. Mais normal. Kafumba, t'es un gawa. T'es un gros gawa. Tu viens pas aux réunions. Tu as ton agent, tu t'es mis dans ton coin là-bas, toi, c'est en train de gérer tes trucs. T'es gawa, là. Demain. Attends, il fait combien de minutes? Il me reste 2 minutes encore. Demain, là, il a parlé d'Yannick Yannick Tchétchen. Et puis, il a continué à s'en un peu. Moi-même, quand je vois des filles qui disent qu'elles sont matérialistes, elles rigolent. Bon, matérial, c'est faux. Est-ce que vous savez que non, elles ne sont pas matérialistes? Parce que matérialiste, fais-moi un dépôt de 50 000, dépôt de 20 000, on te donne ici, on te fait un dépôt de 30 000, dépôt de 5 000, 100 000. C'est ça là, qui est matérialiste, là. C'est à cause de ça là tu fatigues ton corps, ton esprit, ton âme. Tu es là dans le plan. Tu écris ici. On te fait dépôt de miettes, la pétine. À cause de ça là, ton corps souffre comme ça. C'est ça qu'on appelle femme qui est matérialiste. Arrête. Depuis que tu as 16 ans, tu connais un garçon. Tu es dans ça là seulement. À train de prendre un garçon. À train de prendre un garçon. Tu es en train d'aller dans 40 ans. Tu es dans le même travail. Ça t'a rien donné. Ça n'a pas ouvert quelque chose pour toi. Rien. Et ça, toi tu es matérialiste comme ça. Ça là, c'est dit. Vous n'êtes, tous ceux qui pensent qu'elles sont, vous n'êtes pas matérialiste, vous êtes dans rien. Matérialiste de quoi? On te fait dépôt. Dévoilà ça. Mais, hey, peut-être que toi, tu as une nouvelle abonnée, je sais pas, hein. Mais faut demander en 2019, 2020, 2021, là. Non, c'était mon combat. Les moussos, là. En vrai, elles vont voir ça. Je suis en train de les appuyer. Mais dans ce que je suis en train de faire, là, il y a un bon conseil dedans. Parce que moi, je casse les papos des hommes. Et comment ils parlent comme ça, les hommes n'aiment pas. Nous, il faut arrêter, il faut laisser les filles en les damas. Et puis moi, il y a crié sur vous. Et puis, dans crié sur vous, vous donnez conseil. Rita de Gaulle, ça, c'est le début de la position. J'ai faim, je t'invite. Bon appétit à toi. C'est chaud. Ne mange pas avec vous. Elle fille là, elle fout elle. Non. Là, la fille là, elle là. Bonne le Maroc. Mais elle est intelligente. Voilà. Moi, la fille, elle n'est pas criée si elle-même. Franchement, je peux pas, si elle la voyait même, elle dit, hey, je suis au Siri. Petit cœur, soit salé depuis ta position. C'est le nom qui a écrit, hein. Voilà. Gratifique. Il vous précise ça. C'est le nom qui a écrit, petit cœur. Donc, vous voyez, la fille, là, si moi, elle la voyait, elle dit, hey, général, je suis au placard, t'es l'homme. T'as fait tomber un baobab comme ça, derrière Kafumba. T'es tombé jusqu'à il plaît. T'as, tu viens t'asseoir. Qui plaît en direct. Non, il ne parle pas comme ça. Moi, mais c'est que quand ma famille a écouté ça, ça va pas les plaire. Il a vendu immeuble ici. Il a chassé mes amis ici dans la maison. Hé hey! Et puis tu as le courage de dire ça, Kafumba, tu viens t'asseoir devant nous, tu parles quoi? Et puis tu veux que nous, on a qu'à être compatissants.
Est-ce que ça se dit même compatissant? Je sais pas. Nous, on n'a qu'à compatir. On ne se dit pas, ça se dit en nous. Nous, on n'a qu'à compatir à ça. Là. Frère, tu mens, tu nous blagues même. Tu nous blagues. Voyez les filles là, elles sont sorties en petit groupe hier, si toi, blogueuse, blablabla, elles t'ont appuyé pour rien. Nous, on pourrait sortir un peu de leur souffle, mais on ne peut pas le faire. Voilà, on ne peut pas le faire. Les filles aujourd'hui, elles soutiennent ça. Elles soutiennent ça parce qu'elles sont elles-mêmes là, elles sont dans la vision de ça. Elles cherchent garçons comme ça même pour plus belle ça encore. Elles vont toujours soutenir ça. Donc, si vous connaissez les femmes, elles vont soutenir ça là. Les filles, vous savez que les filles, entre elles, elles ne se soutiennent pas. C'est des hypocrites. Mais dès que c'est la bêtise humaine comme ça là, les trucs qui ont les fatales, elles sont dedans, elles se soutiennent dans les bien moments. Mambronje, comment elles sont salées depuis ta position Paris? Elles sont dedans. Alors, t'as la tournée finie, ou pas, ouvrez ça à l'amusement. Il a fait mes 40 minutes. Demain là, c'est vous. Oui. Et après, les femmes ont venu se plaindre. Non, les garçons d'aujourd'hui ne draguent plus. Et ils ne pètent plus assez de temps. Là, ils ne sont pas romantiques, ils ne draguent pas. Ah bon? Vous dites que vous aimez l'argent? Vous dites que vous aimez garçon? Les gens vont aller proposer leur argent. Quand ils vont venir parler beaucoup avec toi, vous dites quoi? Pourtant, on sait que tout ce que tu es en train de regarder là, tout ce que tes yeux là sont braqués dessus là, c'est ce qui va te donner, ce qui va. C'est tout. Vous aimez l'argent? Les hommes le savent. Ils prennent cet argent là pour vous imposter, vous mentir, vous blaguer, ils vous damnent. Et puis ils avancent. Mais pourquoi vous draguez comment? Pourquoi vous vous plaignez qu'aujourd'hui les hommes ne savent pas draguer? Ils ne vont pas savoir draguer. Jamais de la vie. Je ne peux pas voir mon impien souffrir encore. Dans le train de parler beaucoup, beaucoup de femmes. C'est ce que les hommes se disent. Parce que vous, vous les avez dit ça. Vous les avez montré ça. Chaque jour, vous êtes partout sur les panels, vous faites des peurs. Et c'est ce que vous dites. Vous soutenez ça. Vous dites que ces garçons comme nous là, nous qui n'avons rien là, c'est nous on drague beaucoup, on parle beaucoup. Et que ceux qui ont l'argent sont concrets. C'est quoi vous appelez concret? Ceux qui te prennent, ils te donnent l'argent, ils donnent l'argent à ta maman, ils payent ton loyer. C'est ça là vous appelez garçon? C'est ça là? Voilà pourquoi vous serez victime de ça jusqu'à la fin du monde. Et puis plus les années avancent, les enfants qui viennent, ils sont encore bien quoi plus tranchants. On a raison, la vie est trop dure. Mais la vie est dure aussi pour les hommes, ma brodie. La vie là, c'est aussi, nous la vie est dure pour nous que vous. Oui. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Vous ne pouvez pas tout chercher en même temps. Vous ne pouvez pas chercher cette vie là où les gens vous font du bien et puis être amoureux de... Pourquoi vous ne pouvez pas tout avoir? C'est impossible. La vie, c'est un choix. Voilà pourquoi il y a des filles, elles ont choisi de se tuer. Elles assument ce qu'elles font. Elles assument. Voilà pourquoi il a dit, il termine par là, qu'il y a des garçons qui tapent la porte. Non, moi, je suis jamais allé au choix. Moi, je n'ai jamais mis au choix. Vous êtes un comédien. Moi, je n'ai jamais mis pied au choix. Jamais où on va payer service pour bouger pas mal. Je n'ai jamais fait ça. Mais je suis convaincu que dans ma vie, il y a déjà géré les mousseaux, quoi. Elles sont au quartier aujourd'hui. Elles n'assument pas. C'est les petites filles du quartier, les filles du quartier là. C'est le même travail là, elles font. C'est juste que la différence, c'est qu'il y a des filles, elles ont assumé, elles sont dans le couloir.